Vous allez juste accomplir un acte citoyen. Que pouvez-vous nous dire par rapport à ce vote et est-ce que vous pouvez faire un appel à la paix? D'abord, merci de nous en donner l'occasion. Nous remercions le Tout-Puissant de nous donner d'être là aujourd'hui et de procéder donc à notre vote, à notre engagement, à notre choix. Et de ce que nous avons comme information sur tout le territoire national, plus particulièrement dans le département, les Sénégalais sont en train de faire leur choix. Après 3 semaines de campagne, je pense qu'aujourd'hui, nous avons observé beaucoup de sérénité sur tout le territoire et plus particulièrement dans le département. Et nous félicitons les Sénégalais pour avoir compris que d'abord c'était un jour important, mais que aussi nous devions le faire dans la paix et dans la sérénité. Donc je viens, comme tous les citoyens, donc accomplir mon devoir de vote. Et je crois comprendre que c'est pour le bien de notre pays. Nous sommes à quelques heures. Le vote se déroule normalement dans la sérénité, vous l'avez dit. Mais aujourd'hui, quel appel faites-vous par rapport à tous les Sénégalais, à tous les candidats pour livrer ce message de paix? Je pense que c'est l'appel qui a été fait par la plupart des candidats, plus particulièrement le candidat Macky Sall, qui a appelé tous les Sénégalais à voter, n'est-ce pas, et dans la paix et dans la sérénité. Je pense que c'est ce que nous sommes en train de faire. Tous, vous avez observé ici à Fandène et ailleurs, je pense que les Sénégalais sont en train de voter tranquillement et très bientôt, on aura le verdict. Vous avez sillonné quelques centres. Oui, nous sommes en train de le faire, mais nous étions surtout en contact avec donc les mandataires du département pour avoir une idée de ce qui se passe. Mais le vote est en train de se dérouler normalement sur tout le territoire. Sans doute qu'il y aura quelques petits problèmes, mais l'essentiel, c'est que l'ensemble des Sénégalais aura compris qu'il faut voter dans la paix et dans la sérénité. Nous avons remarqué aussi que les lieux de vote, les centres de vote sont sécurisés. Vous êtes le ministre en charge des forces armées, vous par rapport à cela? Je pense que théoriquement même, nous n'avions pas besoin de sécuriser les centres de vote parce que les Sénégalais sont libres et comprennent que mais tout un chacun peut accomplir son devoir de citoyen et je pense qu'il n'y a aucun problème. En tout cas, s'il y a des corrections à faire, elles se feront au fur et à mesure. Dernière question, vous êtes confiant, monsieur le ministre? Jeff, je pense qu'en 2009 déjà, quand on est sorti de 2009, je vous avais dit que je portais un numéro 10 et qu'en général, nous savons contrôler le ballon et en faire ce que nous voulons. Et nous ne faisons pas attention à l'adversaire parce que nous allons droit au but et je pense qu'on va marquer. Merci beaucoup. On a fait un peu de temps. Pour donc vote bi nga xamni amna solo donc élection présidentielle ñu am juroomi candidat gënaaw biñu défé campagne juroom ñaari fukki fan ak ben tay sénégalais ñëw nañu voter sur tout le territoire liñu fi dégg moy jam dans le département de Thiès nek nañu en contact ak suñu mandataire yi ñëpp ñi ngi sur place ñëpp ñi ngi voter normalement donc amna ñu yaakar ni très bientôt n'est-ce pas, dinañu am résultat yi té sénégalais yi dinañu voter xamnañu ni ñun ñëpp ay mbokk la ñu ñoo bokk Sénégal donc ku ci nek dina voter que candidat bi mu tann té bu 18h joté yaakarna résultat yi dina génn fu nek li jamm lañuy wote ci réew mi yow nga nek jorign bi yoré karang ci ministère des forces armées gendarmerie ak militaire yi tay nax lolu karang bi du réew ci bi centre de vote ak lieu de vote. Dama gëm ni sa jarul won ñu envoyer ay service de sécurité parce que wër nañu ni sénégalais yi xam nañu li leen war dañuy xey dem voter ñibi seen kër tranquillement
Donc lolu yakarna jaruko won mais amna ay éléments de sécurité naturellement et au fur et à mesure fepp fo xamné warna am ay éléments de sécurité mo xaw manqué non di lañ fa yobbu mais gemna ni dinañ ko def ci jamm je pense que lolu moy essentiel monsieur le ministre am nga jortu bu rafet ci sa coalition néna le chef waxon na ko fi 2012 man la ap numéro 10 la dan sol bal bi buñ ko yoré dinañ xam niñ koy fiñ koy pass ak niñu duggalé bi gemna ni mom lama la waxon rek 2017 rek yakarna fofu lañ jëmuti monsieur le ministre jërëjëf.